Avec une longueur moyenne allant de 10 à 12 mètres d'envergure et de 2 à 3 mètres pour la corde, la distance la plus grande qui sépare les deux bords de l'aile, la voile représente une surface au sol d'environ 20 à 30 mètres carrés. La tranche avant de la voile, ici en rouge, s'appelle le bord d'attaque. Il présente des ouvertures par lesquelles l'air s'engouffre, au gonflage, puis en vol, rigidifiant ainsi l'aile selon sa forme caractéristique. La tranche arrière, au premier plan sur l'image, se nomme le bord de fuite. C'est à cet endroit que la partie supérieure et inférieure de l'aile se rejoignent selon un profil qui favorisera l'évacuation de l'air. L'extrémité de l'aile se nomme stabilisateur, mais elle est plus couramment appelée stabilo, plume ou tout simplement bout d'aile. On appelle extrado la surface de l'aile qui est orientée vers le ciel. On appelle intrado la surface de l'aile qui est orientée vers le sol. L'espace entre l'extrado et l'intrado est séparé en un certain nombre de cellules que l'on nomme aussi caissons. Les ouvertures que l'on voit ici permettent le remplissage de l'aile au moment du gonflage. La circulation de l'air entre cellules est rendue possible par des orifices placés sur les intercaissons. Au niveau du bord d'attaque, le tissu intercaisson est beaucoup plus rigide, ce qui permet de solidifier cette partie de l'aile qui est en permanence soumise à la pression du vent. Des fils de nylon ou de polyester sont tissés très finement, permettant d'obtenir un tissu à la fois souple et léger, et de très grande résistance. La voile est reliée à la sellette par l'intermédiaire des mousquetons. Ces mousquetons sont largement surdimensionnés et retiennent des charges de plus de 2000 kg. Il existe différents systèmes de fermeture, automatiques comme ici, à vis ou encore à bague avec cran de sûreté. En remontant vers l'aile, on trouve le réseau d'élévateurs. C'est de chacun de ces élévateurs, présents au nombre de 3 ou 4 selon les conceptions, que partent les suspentes reliant les différentes parties de l'aile. Rattachée à l'élévateur arrière, on trouve la commande de frein. Elle est directement reliée au bord de fuite et coulisse à l'aide d'une poulie. Au bout de chacun des élévateurs, des maillons à vis relient un groupe de suspentes provenant d'une partie de l'aile. Prenons un groupe de suspentes partant d'un même élévateur. On remarque en remontant vers l'aile deux ramifications successives sur l'envergure, chacune divisant la suspente sur un axe droite-gauche. Les élévateurs A ou avant sont reliés au bord d'attaque, les B et les C au milieu de l'aile, et les élévateurs D sont reliés à la partie arrière de l'aile. On les appelle également les arrières. Cette répartition, droite-gauche et avant-arrière des points d'ancrage sur le tissu, permet d'une part d'exercer une tension uniforme sur l'ensemble de l'aile, assurant ainsi la bonne forme du profil, et d'autre part de répartir correctement le poids du pilote sur l'ensemble de la voile.